Le diabolique docteur Cornelius a donc décidé de passer à l'action et de faire assassiner Frédéric Bondena et André de Maubreuil. Il a lancé contre elle ses redoutables chevaliers du chloroforme. Heureusement, grâce au hasard, mais aussi au courage du jeune Oscar, son monstrueux projet a échoué. Le très intelligent docteur Cornelius n'a-t-il pas commis là un faux pas ? En effet, les Français sont maintenant persuadés qu'ils sont sur la bonne piste pour retrouver le professeur Bondena. Ils espèrent maintenant beaucoup du protecteur d'Oscar, le célèbre milliardaire Fred Jorgel. Celui-ci est actuellement très occupé par les préparatifs du mariage de sa fille Isidora avec l'ingénieur Harry Dorgan. Ma chérie, Agénor et Mrs. McBarlotte sont sortis. Mais comment ? Mais laissez-moi encore vous embrasser. Nous nous serons mariés dans si peu de temps, ma chérie. Ma chérie, je vous en prie. Arrêtez ! Harry. Non, vous n'êtes pas sérieux, Harry. Arrêtez, je vous en prie. Oh, je... Harry ! La bioséance. Oh, mais pardonnez, mais vous étiez si... Oh, vous êtes si... Je n'ai pas pu résister. Me pardonnerez-vous ? À une condition, Harry. Oui, une condition déduite. La prochaine fois, vous m'embrasserez d'une façon moins choquée. D'accord, ma chérie. Voici la... Pardon, excusez-nous. La caisse, Miss Isidora. Miss Isidora, j'ai toujours promis à votre père que... Il vaudrait peut-être mieux que nous nous retirions. Mistress McBarlotte, qu'en pensez-vous ? Non, Agénor, restez, je vous en prie. Je dois partir maintenant. J'ai énormément de travail et je suis déjà très en retard. Oh, Harry, je vous en prie, restez encore un peu. Juste le temps de voir ce qu'il y a dans cette caisse, ce sont nos cadeaux de mariage. Non, Isidora, je suis vraiment très en retard. Vous me montrerez tout cela au déjeuner. Au revoir et à tout à l'heure. À tout à l'heure, Harry. Eh bien, Agénor, que peut-il y avoir dans cette caisse ? On dirait un cercueil. Vite, Agénor ! Attendez, mais j'ai presque fini de l'ouvrir. Ah, voilà. Une robe. Quelle belle. En effet. Et qui me l'envoie ? Elle vient de Paris, de chez Worth. Mais il n'y a pas de carte. Oh, regardez, Miss. Elle est entièrement satin blanc brodé de vraies perles. Quelle merveille. Déployez-la, que nous puissions l'admirer, Mrs. McBarlotte. Mon Dieu, regardez-la, à la place du cœur. My God, une main sanglante, à la peinture. Quel dommage. Je le savais, le nom que j'apportais à Harry est souillé de sang, je suis la sœur d'un assassin. Cet envoi est un présage de malheur. Mon Dieu, je suis maudite. Non, je vous en prie, mais ne dites pas cela. Je suis sûr que c'est la main rouge qui vous a envoyé ce cadeau. Il faut absolument prévenir Monsieur Harry. Non, Agénor. Ce n'est pas la peine d'inquiéter ni Harry ni mon père. Mais vous courez peut-être un danger. Non, peut-être, mais je ne veux pas inquiéter ni Harry ni mon père, vous dis-je. Êtes-vous sûr d'avoir bien réfléchi, Miss ? Tout à fait sûr, Agénor. Je vous demanderai même de garder le silence. Je monte dans ma chambre. Je descendrai tout à l'heure pour le déjeuner, veuillez m'excuser.
Encore un petit peu de ce Saint-Émilion, Harry? Avec plaisir, sœur. Merci. Eh bien, petite fille, es-tu contente de tes cadeaux de mariage? Ah oui, père. Harry et moi, nous sommes vraiment très, très, très gâtés. Oh, je viens de... Qu'est-ce que tu as... Oh, ma petite fille, on dirait que tu as pleuré. Non, mais non, père, c'est une poussière dans l'œil, tout simplement. Ah. Oh, au fait, Harry, cette histoire de combustible pour nos bateaux, c'est enfin réglé? Oui, sœur. J'ai mis au point un dispositif qui nous permettra de réaliser 20% d'économies sur le pétrole. Très bien. À propos, j'oubliais. J'ai reçu ce matin une lettre très intéressante d'un inventeur inconnu. Il s'agit d'un nouveau moteur à turbine. Justement, j'ai sa lettre dans ma poche. Tenez. Voyons. Ces caractères sont beaucoup trop fins pour ma mauvaise vue. J'ai pas mes lunettes sur moi. Vous m'expliquerez tout ça tout à l'heure. En effet, je dois dire que ces petites pattes de mouche sont presque indéchiffrables. J'ai bien mis une demi-heure à lire cette lettre ce matin. Encore un peu de saumon à la canadienne, Harry? Merci. C'est fort bon. Mais, c'est bon. Qu'avez-vous vos pouces? Moi? Vous êtes blessé? Non, blessé. Tout au plus une légère irritation de la peau. Je suis sûre que vous n'aviez pas ces rougeurs ce matin. Mais non, en effet. Oui, ça. C'est bizarre. Montrez-moi votre pouce. Ça m'est venu en lisant mon courrier. On ne sait rien. Mais en quelle heure est-il? Deux heures déjà. Permettez-moi de me retirer, j'ai beaucoup de travail au bureau et je n'ai pas le temps de prendre le café. Mais je vous en prie, mon petit Harry, je vous en prie. Moi aussi, je dois remonter dans mon bureau. Vous m'expliquerez ce soir cette idée sur le moteur à turbine. Hein? Monsieur Robertson, quelle heure est-il, s'il vous plaît? 5 heures, sœur. Le courrier du soir n'est pas encore arrivé? Si, à l'instant, sœur. Ah, le voici. Merci. Rien. Sans intérêt. Celle-ci. Sans intérêt non plus. Ah. Mais tenez, Robertson, vous répondrez à celle-ci. Pas bien, sûr. Ah, tiens. Une autre lettre de l'inconnu aux pattes de mouche. Le temps de déchiffrer ça, je suis à vous, Robertson. Effectivement, ça pourrait être intéressant. Tenez, Robertson, vous me relèverez son adresse, je lui répondrai demain. Que nous reste-t-il pour ce soir? Nous n'avons pas fini la lettre au directeur de la compagnie des bateaux du Havre, sœur. Ah oui, en effet. Voyons, où en étions-nous? Je vous relis le début. Oui, c'est ça. Monsieur, en tant qu'ingénieur de la compagnie des paquebots éclairs, je tiens à vous mettre au courant des derniers progrès de nos navires. Grâce à leur coque extra-légère en aluminium et en nickel, et grâce également à leur machine chauffée au pétrole, ils effectuent en 4 jours la traversée du Havre à New York. Nous en étions restés là, sœur. Oui. Oui, je vous dicte. Ils détiennent actuellement... Ils détiennent actuellement le record de vitesse de vitesse de... Ça ne va pas, sœur? Je ne sais pas, j'ai des vertiges. Oh, mes doigts. Mais regardez, ils sont tout enflés. Oh là là, ça tourne, ça. Et vous, voulez-vous que je vous accompagne chez vous? Ce serait plus prudent, sœur. Oui, merci, je veux bien. Oui, mais il faut prévenir... Oh, excusez. Auprès de Mademoiselle Isidora, son père. Oh, dites-leur que je ne viendrai pas à dîner ce soir. Mais vous pouvez compter sur moi, sœur. J'espère que ce ne sera qu'une disposition passagère. J'en reviens tout de suite. Je vais faire avancer votre voiture. Monsieur, mes cadeaux, monsieur. Quelle heure est-il, Watson? Monsieur! Monsieur! Oh mon Dieu, il a perdu connaissance. Il faut absolument que je prévienne Monsieur Fred Jorgel.
Allô, mademoiselle, le 5700, vite, s'il vous plaît. Allô? Allô, monsieur Fred Jorgel? Oui, c'est Watson, le domestique de monsieur Harry. Que se passe-t-il, Watson? Excusez-moi de vous déranger, sœur, mais monsieur Harry est très malade. Il vient de perdre connaissance. Je ne sais pas quoi faire, il a le visage tout gonflé, tout blanc, et marbré de taches violacées. J'ai préféré vous prévenir. Dois-je appeler un médecin? Oui, Watson, oui. Tout de suite, appelez-en un. Quant à moi, j'arrive aussi vite que je le peux. À tout de suite. C'était Watson, Isidora. Mon Dieu. Harry est malade. Je savais qu'il allait arriver quelque chose. Oh, non. Je le sentais, cette main sanglante était un avertissement. Mais quelle main sanglante? Quel avertissement? Isidora, ma chérie, de quoi parles-tu? Eh bien, dis! Hier, dans les cadeaux, il y avait une robe avec une main sanglante peinte dessus. J'aurais dû vous avertir, père. Mais je voulais pas vous inquiéter. Ah, tu as eu tort, en effet. Mais je suis sûr qu'il n'y a aucun rapport entre la maladie de Harry et cette mauvaise plaisanterie. Bon, eh bien, je pars tout de suite chez Harry. Je viens avec vous, père. Ma place est auprès de mon futur mari. Tu as raison, ma fille. Mais avant, je dois donner des ordres pour que mon hôtel et la maison de Harry soient surveillés par la police. Entrez, sœur. Alors, Watson, comment est-il? Toujours pareil, miss. Mon Dieu! Harry! Harry! Regardez sa tête. Père, mon pressentiment ne m'avait pas trompé. Harry. Harry, vous m'entendez? Isidora. Isidora. Non, je. C'est pas grand chose. Oui. Demain, je pourrais. Ne parlez pas trop, Harry. Calmez-vous. Voilà. Comme ça. Êtes-vous mieux? À partir d'aujourd'hui, c'est moi qui vous soignerai. Oui. Restez tranquille. Non, non, ne vous agitez pas si. Non. Harry. Non, non. Non, non, Isidora, non, pas vous, la contagion, oui, la contagion, pas vous, dangereux, pas vous, Isidora. Aussi, moi, non. Même si c'est une maladie contagieuse, nous serons mariés dans quelques jours, et ma place est auprès de vous, n'est-ce pas, père? Tu as tout à fait raison, Isidora, je te reconnais bien là. J'ai appelé les plus célèbres médecins de New York, mais je suis sûr, tu entends, je suis sûr que Harry sera sur pied très vite. Antoine. Oui. Je me demande si nous avons eu raison de venir en Amérique. Tous nos efforts pour retrouver M. Bondonin n'ont servi à rien. Oh, c'est à désespérer. Nous n'avons eu que de la malchance depuis que nous sommes à New York. Nous ne pouvons même plus compter sur Fred Jorgel. Et en effet, il a bien d'autres soucis en tête. La maladie de son gendre, paraît-il, l'inquiète beaucoup. Bah, ça, c'est bien vrai, M. Pagano. Si vous le voyez, on dirait déjà un cadavre. Son visage est livide et il est marbré de taches violettes, et puis ses paupières sont gonflées comme sanguinolentes, et puis ses membres, ils n'arrêtent pas de trembler. Des taches violettes, dis-tu? Oui, pourquoi? Vous savez d'où ça peut venir? C'est que... Ah mais non, c'est pas possible. Mais pourtant... Ah, quand même, ces symptômes ressemblent étrangement à ceux de la lèpre verte. La lèpre verte? Oui, la lèpre verte. Mais non, c'est pas possible, je dois me tromper. C'est une maladie qui a fait des ravages en Russie et en Pologne au Moyen-Âge. Et à
à présent, elle a complètement disparu. Et je serais quand même curieux d'examiner le malade, de voir cela de plus près. Vous croyez que vous pourriez le sauver? Si c'était la lèpre verte, oui, peut-être. Mais il y a si peu de chances pour que... Même s'il n'y en a qu'une, Antoine, il faut essayer. Protégé Oscar Tournesol vient d'arriver avec M. Pagano. Vous savez, ce Français qui... Voyons, Agénor, c'est pas le moment. Mais M. Pagano prétend qu'il a peut-être une idée sur la maladie de M. Harry. Alors, vite, Agénor. Faites-le entrer tout de suite. Oui. Entrez, M. Pagano. Oh, monsieur, si vous pouviez sauver mon Harry, toute la fortune de mon père sera à vous. N'est-ce pas, père? Évidemment. Oui, il ne s'agit pas de cela et je ne sais pas si je peux faire grand-chose, miss. Mais voyons le malade. Ah, c'est bien cela, je ne m'étais pas trompé. Oh, c'est inouï, c'est impensable. Mais c'est bien la lèpre verte. Et est-ce guérissable? Quelquefois, oui. Ah, je me demande comment le microbe de la lèpre verte a bien pu être inoculé à M. Dorgan. C'est un microbe très rare que seuls quelques laboratoires possèdent. Bizarre. Ah, ça c'est bizarre. Pourquoi? Qu'y a-t-il? Dites, je vous en prie. Dites-nous toute la vérité. Ces écorchures-là, sur les doigts, les avait-il avant de tomber malade? Oui. Justement, je lui avais fait remarquer. C'était lundi à midi. Et c'est lundi soir qu'il a eu les premiers symptômes. Ces écorchures sont curieusement placées. Je me demande si ce n'est pas par là que le microbe... Ah! Avec quoi, M. Dorgan a-t-il bien pu se blesser? Tiens, qu'est-ce que c'est que cette carte? Ah, il y a une marque de pouce, là, dans le coin. Mais quelle curieuse patte de mouche. Oh! Qu'y a-t-il? Un antiseptique, vite! Vite! Oh, heureusement que je m'en suis aperçu à temps. Enfin, mais de quoi parlez-vous? Expliquez-vous. Regardez mon pouce. Les mêmes rougeurs qu'avait Harry le jour. Oui. Mais comment? Monsieur Dorgan a été empoisonné. Les mains rouges. Oh, mon Dieu, mais pourquoi? Oscar, vite, vite. Prends cette ordonnance et cours au drugstore. Va vite, allez le plus vite possible. Donc, comme je vous le disais, il a été empoisonné. Voyons. Quand M. Dorgan a-t-il reçu cette carte? Lundi matin. Et en a-t-il reçu une autre? Oui. Ah. Mais comment l'avez-vous deviné? Justement, il en a reçu une du même expéditeur au courrier de lundi soir. Oh, tenez, elle est là, je... Attention, n'y touchez pas! N'y touchez pas! Pardon, excusez ma brusquerie, mais je vais vous expliquer. La première carte est imbibé d'une substance vésicante dont le contact, même très bref, produit des excoriations et des ampoules. Je viens d'en faire moi-même l'expérience devant vous. C'est pour que la personne visée soit obligée de la tenir longtemps que l'écriture de cette carte est aussi lisible. Et c'est vrai, en effet, je me souviens. Harry m'a dit qu'il avait mis une bonne demi-heure à la déchiffrer. Mais ça ne t'explique pas. J'y viens. Quant à la seconde carte, elle est imbibée d'une culture de microbes de la lèpre verte qui a trouvé dans les plaies du pouce et de l'index un terrain tout préparé pour envahir l'organisme. Le crime parfait. Tiens.
Mais que fait Oscar? Ah, enfin le voilà. Vite, Oscar, tu as tout? Tout est là, monsieur Pagano. Bon, très bien. Je vous demanderai à tous de sortir, j'ai besoin d'être seul. Vous le sauverez, n'est-ce pas? Je ferai tout mon possible, miss. Mais cela ne dépend pas de moi. Dans une demi-heure, je pourrai vous dire s'il y a encore de l'espoir. Plus d'espoir, ça fait plus d'une demi-heure. Alors? Il est sauvé. Sauvé? Oh, mon mari! Oh, que je suis heureuse! Que je suis heureuse! Oh, monsieur! Oh, excusez-moi! Non, non, ne vous excusez pas! Ne vous excusez pas. Allez, 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 mademoiselle, allez, allez vite le retrouver. Il commence à reprendre conscience et il sera heureux de vous voir. Et demain, il sera debout. Et dans 8 jours, tout sera oublié. Mon cher Agénor. Je vous remercie de m'avoir arrangé ce rendez-vous. Voilà maintenant 10 jours que Harry est complètement guéri. Et je tenais à remercier moi-même, monsieur Pagano. Mais c'est bien naturel, Miss Isidora. Tenez, voilà. Hôtel Preston. Nous y sommes. Ah. C'est ici. Mademoiselle Isidora Yorgel, on vient de m'annoncer votre visite et je voulais... Je sais, mademoiselle, que ma place ne devrait pas être ici. Je sais que ma présence vous rappelle d'horribles souvenirs, mais il fallait que je remercie monsieur Pagano. Il a sauvé mon fiancé. Mademoiselle, n'est-ce pas que vous me pardonnez d'être venue? Miss Isidora, je sais que vous êtes loyale et généreuse. Je ne puis vous rendre responsable du crime de votre frère. Qu'il n'en soit plus jamais question entre nous. Soyons amis, voulez-vous? Oh, merci. Merci, laissez-moi vous embrasser. N'oubliez pas, Miss Isidora, que nous sommes venus aussi demander à M. Pagano quels sont ses honoraires pour la guérison miraculeuse qu'il vient de faire. Honoraires? Et qui parle d'honoraire? Il n'en est absolument pas question. J'ai fait ce que n'importe qui aurait fait à ma place. Mais il est normal que... Enfin, en Amérique, vous savez... Moi, je sais ce qui ferait le plus plaisir à M. Pagano. Alors dites vite, c'est accordé d'avance. Eh bien, aidez-nous à retrouver M. Bondona, le père de mon ami Frédéric, et nous serons largement récompensés. Eh bien, nous le retrouverons. Dû mon père dépenser pour cela toute sa fortune. Mes amis, une bonne nouvelle. Oui, excusez-moi, je ne savais pas que... Mon ami Frédéric, Miss Isidora Yorgel. Enchantée, mademoiselle. Je disais justement que nous allons tout faire pour essayer de retrouver votre père. Eh bien, justement, je viens de recevoir une lettre de lui. Tiens, lis-la, André. Oui, donne. Ma chère enfant, je suis heureusement vivant et en bonne santé. Je suis, il est vrai, séquestrée et gardée à vue dans un endroit sur lequel il m'est impossible de te donner le moindre renseignement. Mais je ne cours aucun danger.
Je suis entre les mains de riches capitalistes qui me font travailler à certaines découvertes, mais ils doivent m'indemniser et me rendre très prochainement la liberté. Mes geôliers m'interdisent de t'écrire avec plus de détails, mais ne te fais pas d'inquiétude à mon sujet, je serai bientôt de retour. Embrasse bien de ma part mon autre fille Andrée et prends patience. 1000 baisers de ton vieux père, Prosper Vandona. Regarde, je suis contente. Mais regarde, il y a un post-scriptum. Mes amitiés, mes excellents collaborateurs, Roger Ravenel et Antoine Pagano. Mais quelle drôle de lettre. Donnez-la moi. Vous êtes sûre que c'est l'écriture de votre père? Mais oui, oui, c'est l'écriture de mon père, j'en suis sûre. Voyons l'enveloppe. Elle a été adressée en Bretagne, puis réexpédiée à New York. Mais d'où venait-elle? Et d'Amérique? Regardez. Cela prouve que nous avons eu raison de venir ici. Monsieur Bandona est bien en Amérique. C'est grand, l'Amérique. Il n'y a pas de cachet de ville? Si. Regardez-là. Là, c'est encore lisible. Eh oui, cette lettre a été postée à la Nouvelle-Orléans. Oh, enfin une piste! Quand partons-nous? Oui. Oui, quand partiront-ils? Mais, vous le savez, le professeur Bandona n'est pas à la Nouvelle-Orléans. Qui sait, peut-être nos amis découvriront-ils des indices au cours de leur voyage? Quels indices? Vous le saurez en écoutant la suite du ridicule docteur Cornelius. Prochain épisode, le repas des caïmans.